Yo tout le monde, c'est AppleFox et aujourd'hui je vais vous présenter comment déverrouiller tout appareil qui n'a pas Touch ID comme Touch ID. Donc là je suis équipé d'un iPod Touch de 5e génération, 16 Go, donc bref on s'en fout. Et donc pour le faire, regardez, j'appuie longtemps sur mon bouton Home et voilà, il se déverrouille. Donc tout simplement grâce au Tweak Activator qui se présente ici à côté de Cydia. On peut voir d'ailleurs qu'il a un nouveau design, donc c'est assez sympathique. Donc on va aller dedans tout simplement. Donc, on va revenir. On va aller dans à l'écran de veille. On va descendre à bouton d'accueil ici. On va mettre maintenir et on va mettre déverrouillage de l'appareil. Donc le display recorder maintenant ils font une petite pub. Donc si on clique dessus, ça nous ramène vers Cydia. Donc maintenant si on va sur son écran de veille pardon et qu'on appuie longtemps, on faut appuyer sur le bouton home et ben ça déverrouille son appareil. Donc ça c'est sympathique. On a l'impression que ça fait comme Touch ID même si Touch ID est que disponible sur l'iPhone 5S. Donc voilà comment le faire grâce à un seul truc très connu, c'est Activator. Donc voilà, si vous voulez déverrouiller votre appareil comme Touch ID, il vous suffit d'installer Activator, qui est gratuit sur Cydia, qui est compatible à iOS 7, hein, évidemment. Donc voilà, c'était AppleFox pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir le blog, la page Facebook, à mettre un petit j'aime à cette vidéo, et à mettre vos questions dans les commentaires. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!